Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement consacrée à la culture de petits pois. Ça fait 4 ans que j'avais pas consacré une vidéo entièrement à cette culture. Alors justement, ça va être l'occasion de revenir sur des années et des années d'images. Alors on va se replonger dans les différentes variétés, on va voir comment bien semer, quand, comment, combien. On va voir comment mener la culture en hauteur et puis aussi comment bien s'en régaler. Donc on est parti en avant pour cette vidéo des petits pois dans nos potagers. Alors concernant les variétés, vous en avez des dizaines et des dizaines, hein, vous les retrouverez sur tous les catalogues de semenciers. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on va pouvoir les catégoriser, les classifier sur des critères importants. Et en premier lieu, la nature elle-même du petit pois. Vous avez des petits pois à grains ridés, on les reconnaît assez facilement, ils sont tout fripés, ils sont tout ridés. Et ce sont des petits pois vraiment qui sont goûteux, qui sont fins, on peut presque les manger crus. Mais par contre, ils sont un peu plus fragiles. On va les semer d'ailleurs un petit peu plus tard dans la saison, on le verra tout à l'heure. Et la deuxième grande catégorie de petits pois, ce sont des petits pois à grains lisses ou des petits pois à grains ronds. Ils sont un peu plus précoces, un peu plus vigoureux. Ils sont un petit peu moins raffinés que les petits pois à grains ridés, mais ils sont quand même très bons. Mais moi, cette saison, par exemple, j'ai vraiment fait le choix de semer avant tout des variétés à grains ridés parce que vraiment je les trouve fabuleuses. Et puis dans le sud en plus on peut les semer vraiment très tôt. Donc là vous avez la variété Télévision, là vous avez la variété Norli. J'ai même ramené des petits pois d'Espagne d'un récent voyage, des petits pois nains Orient. Tout ça ce sont des grains ridés et des grains aussi Grundy. Donc cette saison ça va semer à la folie des petits pois à grains ridés. Un deuxième critère super important, ça va être de choisir soit des variétés naines, mais qui vont quand même grimper à 60, 80, voire 1 mètre de hauteur, ou de choisir des variétés grimpantes, on appelle ça aussi des variétés à rames, qui vont grimper sur des mètres et des mètres, enfin, des mètres et des mètres. Disons qu'elles vont grimper facilement jusqu'à 2 mètres de hauteur, et je peux vous dire qu'il va vraiment falloir installer des structures bien solides, et ça on le verra tout à l'heure dans un prochain point pour bien mener cette culture. Alors ici, je fais un petit peu des deux, je fais beaucoup de variétés naines, c'est plus facile à installer, les structures sont un petit peu moins hautes à fabriquer, mais quand même je fais aussi quelques variétés grimpantes parce que ça a plusieurs avantages, les récoltes déjà sont très étalées entre les premières gousses du plant et les dernières gousses, et puis ça donne aussi beaucoup de beauté au potager, ça donne vraiment de la verticalité, ça offre une belle production, mais je vous le répète, il va être important vraiment pour ces cultures, qu'elles soient naines ou grimpantes, mais surtout grimpantes, ça va être important d'installer de bonnes structures pour bien faire grimper les petits pois. Alors pour semer au bon moment, il faut avoir quelques notions en tête, notamment la température minimale de germination. Et là, on voit que la température pour les petits pois, elle est vraiment très basse. À partir de 5-6 degrés, les petits pois ronds lisses, ils vont pouvoir commencer à germer. À partir de 6-7-8 degrés, juste un petit peu plus chaud, les petits pois à grains ridés, ils vont aussi pouvoir commencer à germer. Donc dans les régions les plus douces, on peut vraiment commencer à semer en pleine terre très tôt. Moi ici dans le sud, dès le mois de février, je commence à semer. Et si on va voir mes amis jardiniers sur Terra Potager, qui sont sous d'autres climats, sous d'autres contextes, on peut faire un constat assez simple, en fait, c'est que les petits pois à grains lisses, ils sont semés de mi-février à mi-mars environ. Et les petits pois à grains ridés, ils sont semés courant du mois de mars, voire même jusqu'à mi-avril, notamment chez Mélanie en Belgique. Donc vous avez des repères assez précis, le tout c'est de s'adapter comme toujours à son contexte, à son climat. Vous pouvez étaler les semis pour encore plus étaler vos récoltes. Et ce que vous pouvez faire aussi, ce que je fais en tout cas moi chaque saison, c'est qu'on peut commencer quelques semis très précoces en godet. Comme ça on va se mettre à l'abri des ravageurs, à l'abri des oiseaux qui parfois viennent picorer les graines, à l'abri des limaces qui viennent parfois manger nos jeunes plants, à l'abri d'un excès d'humidité, d'un excès de froid. Donc on sème nos petits pois dans des godets, ils vont germer sous abri. Inutile de les mettre à trop forte chaleur, juste 10 degrés. Moi, je suis sous abri froid dans ma serre, elle est hors gel. Il fait 10 degrés de moyenne et il commence à germer
dans les godets. Et ensuite, une fois que les plants font 15-20 cm, eh bien, je vais les installer en pleine terre. Alors souvent, ils se font presque rattraper par les semis de pleine terre. On dit souvent que rien ne remplace un semis de pleine terre. Mais au moins, j'ai l'avantage, j'ai la garantie que ces semis, ils auront bien germé, ils auront été à l'abri des ravageurs. Donc à vous de voir là aussi chez vous. Mais sachez que entre les petits pois lisses, entre les petits pois ridés, entre le fait d'étaler vos semis, entre le fait de semer en godet, vraiment vous avez de nombreuses possibilités pour récolter à la folie durant tout le mois de mai, juin et même juillet dans les régions les moins chaudes. Pour bien semer, ou du moins pour semer beaucoup plus facilement, ici je préfère dépailler mes parcelles quand elles sont paillées, et ça me permet vraiment d'ouvrir des sillons beaucoup plus facilement. Et ces sillons, je vais les espacer de 30 à 40 cm. Il faut jamais trop resserrer, sinon la culture va vite manquer d'oxygène, de lumière. Donc vraiment, c'est important de quand même laisser des distances assez conséquentes entre les rangs, et 30-40 cm, c'est une bonne distance. Donc j'ouvre mes sillons, inutile d'aller trop profond. On dit souvent qu'il faut enterrer la graine de 2 ou 3 fois son épaisseur. Donc même pas 2 cm dans les sillons, ça suffit largement. Et vous posez vos petites graines. Alors là aussi, on va respecter des distances de semis. On dit souvent tous les 3 cm, moi parfois je resserre tous les 2 cm pour déposer une graine. Là aussi, inutile de trop densifier, sinon toujours pareil, les plants vont être trop denses, la lumière va manquer, la culture va jaunir plus rapidement et vous allez au final avoir moins de récolte que si vous avez bien respecté une bonne densité. Donc vraiment, je vous conseille, en tout cas de tout ce que j'ai pu expérimenter, je vous conseille de semer une graine environ tous les 2 à 3 cm. L'occasion de vous dire que des petits pois, en parlant quantité, ça représente des milliers et des milliers de graines. Chaque saison, moi j'essaie de semer au moins 10 mètres linéaires. On est 2 enfants, 2 adultes. Et franchement, chaque saison, des petits pois, on en manque. J'essaie d'ailleurs de monter jusqu'à 20 mètres linéaires. Ça représente quasiment 1000 graines, c'est vraiment important, mais c'est une culture qui le demande. Il faut vraiment semer à la folie pour espérer avoir plusieurs repas familiaux. On n'en fait pas des 1000 et des 100, mais c'est tellement bon que chaque repas, franchement, on s'en souvient tellement c'est appréciable et tellement ça n'a rien à voir avec les petits pois du commerce. Donc n'hésitez pas à semer à la folie pour espérer avoir des récoltes conséquentes et vraiment bien se régaler de cette culture. Alors on passe au 4e point clé, maintenant qu'on a bien semé, soyez quand même vigilants aux ravageurs. Je sais que j'entends souvent, ici j'ai la chance que ça m'arrive pas trop, mais j'entends souvent que des oiseaux, des merles, des pigeons viennent picorer les jeunes semis. Donc protégez si vous le pouvez avec des branchages ou avec un petit filet. Et puis faites attention aussi aux limaces. Chaque printemps, j'ai des centaines et des centaines de jardiniers qui me témoignent que les petits pois se font vraiment manger par les limaces. Donc là aussi, anticipez cet aléa, essayez vraiment d'avoir une bonne gestion des limaces. Vous connaissez, il y a mille et une façons de les gérer, de la façon la plus drastique à la façon la plus naturelle. À vous de voir, mais en tout cas, faites attention avec les limaces, sinon vous risquer d'avoir de grosses déconvenues avec cette culture. Donc, si on arrive à gérer tous ces aléas, si on a bien semé, normalement nos petits pois vont bien germer, vont commencer à grimper, et là, il va falloir leur offrir une bonne structure, un bon tuteur. Et ici, j'utilise souvent 3 solutions. Alors, je vous les montre rapidement. La première, ça va être des filets. C'est celle que j'utilise le moins souvent, parce qu'un filet, c'est pas rigide, et parfois, ça se détend, et les petits pois, ça fait du poids, une fois que la culture est haute et remplie de gousses. Et c'est pas la solution de tuteur que je privilégie. Ou alors sinon, vraiment, il faut que ce filet, vous l'attachiez à des piquets très solides, que vous le tendez bien, et là ça va faire un bon usage. Donc j'ai essayé, et si je le refais, comme je viens de vous dire, vraiment à bien tendre avec des piquets bien solides.
Une deuxième solution, ça va être de tutorer votre culture avec des treillis. Ça, c'est une solution que je fais un peu partout au potager. Bien replier les extrémités des treillis parce que c'est quand même assez dangereux. Et ces treillis, on peut même en juxtaposer pour avoir des mailles encore plus resserrées. Et ça, ça fait super bien l'affaire. Les petits pois vont s'y accrocher. Vous pouvez additionner deux hauteurs de treillis si vous avez une variété grimpante. Et là, vous pouvez, toujours pareil, vous appuyer contre des piquets, contre des bouts de bois, contre des bambous, contre des roseaux, et c'est une bonne solution pour tutorer les petits pois. Et une dernière solution, ça va être tout ce qui est grillage. Moi ici j'utilise beaucoup le grillage qu'on appelle grillage à mouton. C'est super efficace, hein, c'est assez rapide à installer, on le déroule, on s'appuie là aussi sur des bambous, des roseaux, des piquets, des poteaux, et les petits pois vont se régaler d'y grimper. Et pour finir sur ces solutions de tutorage, donc soit vous mettez à l'intérieur de la culture, c'est-à-dire que vous mettez une rangée de treillis, de grillages et vous semez de part et d'autre. Soit vous pouvez faire l'inverse, vous semez deux rangs et vous encerclez votre culture avec une solution de tutorage. Et ça, ça peut être intéressant, notamment si vous êtes dans une région où il y a du vent. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des plants qui se sont fait arracher avec le vent. Et si vous encerclez votre culture, et bien là, la culture va être enfermée au milieu d'une structure à tuteur. Et là, vous aurez moins de soucis avec le vent. Donc à vous de voir, soit vous mettez votre tuteur au milieu de deux rangs, soit vous encerclez votre culture. Alors on arrive à la cinquième et dernière étape, la plus sympathique parce que c'est celle où on va notamment récolter. Alors avant ça, il va quand même falloir veiller sur la culture. Une fois qu'on a bien semé, qu'on a bien tuteuré, elle va grandir semaine après semaine. Et franchement, on n'a pratiquement rien à faire. La culture des petits pois en plus, c'est une culture de légumineuses. Vous voyez que ses besoins en minéraux essentiels sont très faibles, notamment en azote. Rien à voir avec des cultures de tomates, des cultures estivales qui demandent 10 fois plus de richesse du sol. Là, c'est inutile d'aller apporter quoi que ce soit, pas d'engrais, pas de fumier, pas de compost. Elle va se débrouiller toute seule, elle va grandir. Et puis, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement de veiller au bon moment pour récolter. Les fleurs vont arriver, ensuite l'écosse, ça va commencer à bomber. Et on va essayer de récolter quand l'écosse sont vraiment jeunes. C'est là où les petits pois à l'intérieur sont très sucrés, très goûteux. On peut quasiment les manger crus. On pourra les faire légèrement revenir à la poêle ou à l'eau bouillante ou à la vapeur pour les cuire un petit peu. Vous avez mille et une recettes qui existent. Mais en fait, ce qu'il faut dire, il faut quand même vraiment d'ailleurs insister sur ce point, c'est qu'il y a un point contraignant, c'est que les petits pois, ça demande du temps. Ça demande du temps pour être récolté, il faut aller récolter les cosses les unes après les autres, et puis surtout après il faut écosser, et ça je peux vous dire que j'en ai passé des heures et des heures à écosser les petits pois. Alors c'est génial si vous arrivez à faire participer la famille, sinon vous vous mettez devant un feuilleton à la télé, mais voilà, pour faire ne serait-ce qu'un repas familial, il faut écosser tout un saladier, et ça peut rapidement prendre quelques dizaines de minutes. Donc ça peut devenir une tâche vraiment presque sociale, j'ai envie de dire, c'est un moment de partage en famille, mais il faut vraiment avoir cette notion en tête, ça n'a rien à voir avec une culture de tomates où vous allez récolter en 30 secondes et directement dans l'assiette. Là il faut aller récolter, il faut prendre le temps, cosse par cosse, il faut prendre le temps d'écosser, il faut prendre le temps de cuisiner, donc la productivité, en tenant compte de cette notion de temps, ça n'aura rien à voir avec une culture de tomates. Et c'est pour ça que les petits pois, il faut savoir qu'on le fait aussi pour le plaisir de jardiner, mais que pour nourrir vraiment sa famille, ce ne sera pas forcément une culture prioritaire, bien qu'elle ait quand même de solides arguments pour sa défense. Voilà pour cette vidéo qui résume plusieurs années, vous l'avez vu, à essayer de mener au mieux cette culture de petits pois au potager. Vous avez plus de détails encore sur Terra, vous le savez, avec tous les itinéraires de culture, tous les climats, tous les contextes, tous les chiffres, des milliers de jardiniers si vous voulez partager plus encore cette passion. On se retrouve sinon sur la chaîne pour d'autres vidéos tuto ou tout simplement pour partager l'actualité de cette nouvelle saison. Merci pour votre attention encore et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao !